Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Shalom, shalom. Bonjour de la part de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, mains levées vers le ciel, les yeux grandement ouverts vers le ciel, nous crions à l'Éternel Dieu des armées. Nous crions à notre Seigneur, nous crions au Sauveur de nos âmes. Et nous avons une pensée pour tous ces malades dans les hôpitaux, tous ces malades couchés chez eux, ou errant dans les rues de nos différentes villes, parce que n'ayant pas les moyens d'aller se soigner. Nous avons une pensée pour tous ces prisonniers, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les maisons, nous avons une pensée pour eux. Et nous crions à l'Éternel Dieu, afin qu'il jette un regard d'amour sur toutes ces âmes. Nous sommes enracinés en lui, enracinés dans ses volontés. Voilà pourquoi nous osons crier en ce matin, disant Seigneur, aie un regard d'amour pour toutes ces âmes qui souffrent dans leur chair. D'autres même sont malades, mais ne savent pas quelle maladie ils ont. La maladie de l'âme, la maladie du cœur. D'autres sont malades de par leurs pensées, car ne nourrissent même pas de bonnes pensées pour leur personne. Alors, difficile de pouvoir avoir de bonnes pensées pour le prochain. D'autres souffrent parce qu'ils manquent d'amour, d'attention, parce qu'ils attendent toujours d'être aimés des autres, quand bien même le Seigneur t'aime, quand bien même le Seigneur te tend sa main. Alors, Seigneur, regarde. Jette un regard d'amour sur toutes ces personnes, un regard bienveillant sur toutes ces âmes. Oh Jésus, je veux m'enraciner en toi, en Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister.
me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber quand je crie à toi. Ne me laisse pas tomber quand je soupire à toi. Ne me laisse pas tomber quand je me jette face contre terre devant ton trône. Ne me laisse pas tomber quand je dépose ma famille à tes pieds. Quand je dépose mon foyer à tes pieds. Ne me laisse pas tomber dans mes moments de tourment. Ne me laisse pas tomber dans mes moments de doute, de peur, Seigneur. Ne me laisse pas tomber dans ma maladie. Ne me laisse pas tomber quand je te cherche. Ne me laisse pas tomber, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Je t'appelle mon pourvoyeur, je t'appelle mon essentiel, car toi seul me suffis, Seigneur. Alors ne me laisse pas tomber. Guéris tous ces malades. Guéris tous ces foyers, guéris toutes ces familles, Seigneur. Guéris nos nations de tous les maux. Seigneur, fais-nous sortir de tous ces eaux troubles. Seigneur, nous te supplions. Alors, bien-aimé de Dieu, lève les mains vers le ciel, les yeux grandement ouverts, regarde au ciel et dis-toi que tu vois le Seigneur. Tu vois le Seigneur qui ne te laisse pas tomber, qu'il ne te laisse pas tomber. Seigneur, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. En ce matin, tel est mon cri. En ce matin, tel est mon soupir. En ce matin, tel est mon désir devant ton trône, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Mon papa est, mon Jésus est. Ne me laisse pas tomber. Mon essentiel, mon pourvoyeur, ne me laisse pas tomber. Bien-aimé de Dieu, que la main du Seigneur soit sur toi, que la main du Seigneur soit posée sur toi tout au long de cette journée, qu'il te garde de tout mal, qu'il te garde vraiment de tout ce qui ne confesse ni son nom, ni sa seigneurie, qu'il te garde précieusement dans les creux de sa main. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite de passer une excellente journée.